Bonjour, aujourd'hui, et pour savoir comment amarrer un bateau, nous allons voir le but principal et l'utilisation de bouts qui vont servir donc à amarrer le bateau et qu'on peut appeler amarre, haussière ou alors pointe. À l'avant et quand vous amarrez votre bateau au ponton, il y aura en général deux amarres qui vont permettre de tenir le bateau en latéral et de le maintenir correctement près du ponton. Les amarres ont toutes deux bouts qui seront l'un attaché au ponton et l'autre attaché au bateau. En général, vous aurez un bout de l'amarre qui sera sur un taquet situé au niveau du ponton. Vous penserez bien à faire un tour mort et un nœud de chaise si le taquet est dans cette configuration. Le reste de l'amarre va directement sur le pont du bateau en passant par les passages adéquats et sont amarrés sur des taquets de pont de part et d'autre du bateau afin d'assurer la stabilité du bateau en latéral lorsque le bateau est à quai. Nous pouvons voir dans ce cas-là qu'il y a deux amarres différentes, une qui permet de maintenir le bateau dans sa partie bâbord et l'autre de maintenir le bateau dans sa partie tribord. Le but des amarres est donc de maintenir le bateau. Il faudra penser à les garder quand même assez tendus pour que le bateau ne bouge pas trop, mais pas trop non plus pour que ces amarres ne travaillent pas trop et qu'elles puissent ainsi résister et durer. Vous pourrez vous servir des cours sur les nœuds qui sont disponibles sur le même site internet afin de voir comment amarrer les amarres sur un bateau ou sur un ponton. Voilà donc à quoi servent et comment s'en servir des amarres sur un bateau.